La 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 na 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 na. Ah, c'est bien de se laisser porter, de se faire retracter. Allez, salut tout le monde, c'est Titi du Retrack, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai toujours la patate comme d'habitude. Et aujourd'hui on se retrouve sur un nouvel épisode sur Farming Simulator 2013 à la carrière CV. Pour le... Je sais plus combien d'épisodes mais c'est pas grave, allez, let's go. Ah, que c'est bien se transporter dans une camionnette Galaxy Chopatate, voilà les trucs. Et puis c'est tout. Alors j'espère que vous allez bien, hein. Alors aujourd'hui je me fais tracter par un bon conducteur, Antonin. Salut Antonin. Salut. Voilà, alors attendez, j'ai des zooms. Voilà, il y a Antonin qui conduit, hein. Donc alors tu vas le garer. Tu vas le garer dans la montagne là-bas, d'accord? Tu vas me garer tout seul dans la montagne? Ouais. Voilà, pendant que moi, je vais chercher le matos. Excusez-moi. Pour travailler. Voilà, avec une belle camionnette. Alors, avec une ramasseuse de balles automatique. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça. Hein. On va ramasser les bottes, les balles. Alors, Antonin, comme on avait dit, tu prends l'ouvrier. Et tu vas le remettre au champ 17? Ouais. Et tu le mets droit, enfin, t'as compris quoi. Ouais. Ça continue, ça commence. Je fais je rentre dedans, voilà, et tout, et tout. Je rentre dans le mur, c'est magnifique. Bref. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une petite épisode, hein, de 20-30 minutes, je pense, hein, même peut-être un peu moins de 30 minutes. Entre 20-25 minutes, je pense. Voilà. Alors, du coup, aujourd'hui, on va ramasser les bottes, parce que là, dans le dernier épisode, toujours avec Antonin, on avait moissonné et moi j'avais fait les bottes et je vous ai bien merdé grâce à Fabien, que je remercie encore une fois. Fabien qui n'a pas pu là aujourd'hui, que j'avais demandé de venir mais qui n'a pas pu malheureusement venir. Alors c'est pas grave, hein. C'est pas que je voulais pas, bien au contraire. Ah, attendez, j'ai des bugs de souris, hein. C'est parce qu'en fait j'ai deux écrans et du coup ça va sur l'autre écran et ça me gêne un petit peu. Alors je vais pas recommencer la vidéo, hein, c'est pas grave, hein, on va faire avec. Donc moi je vais commencer. Allez, moi je commence à ramasser les boîtes, hein. Toi Tenin, tu vas l'amener, hein. Ouais. Alors par contre il n'y a pas le bruit, voilà. Je le fais le mal mais c'est pas grave. Voilà, donc il n'y a pas le bruit de la machine, hein. Ramasser un éclair. C'est le sommoir qu'il faut que j'emmène au champ 16. De quoi? Oui, c'est le sommoir, oui. Okay. C'est ça. Alors j'ai pris aussi. Alors c'est un combat exceptionnel, hein. Alors, c'est un combat agricole, hein. Là, le pancarte porte bien son nom. C'est un combat agricole parce que vu la dimension de l'autostack, alors c'est un mode, hein. Alors c'est un mode qui fait partie des modes de Galax, hein. Je précise, hein, ça fait partie du méga pack de Galax. Du méga pack Galax, oui. Ça est parti de ce mode là, hein. La camionnette y compris. Tout fait partie de ce truc. Alors après la classe Xenion que vous avez vu aussi qui me tirait. Alors là on va voir que c'était un mode qui n'est pas compris dans la remorque, hein, où il y avait la camionnette dessus, hein, là où j'étais dessus. C'est un mode, il est pas dans le méga pack, hein, je tiens à prévenir, hein, voilà. Par contre, le Xenion, c'est du Texas 22, et il est dans le méga pack. Voilà. Mais je te pars pas, toi. Il y a une botte qui se barre, quoi, c'est tout très logique, hein. Alors la semaine dernière, c'était un... C'est que oui.
D'accord. Par contre, je me fonce pas dedans, hein. Ça pouvait être que toi. Je sème quoi? Et tu vois, mais il se doit être du blé, hein. Non, mais pas là. Non, mais je sais, mais je t'ai évité. Pourquoi tu passes par là? Rien que pour m'embêter ou quoi? Petit vicieux. Voilà. Donc, du coup, on va bien rigoler aujourd'hui, hein. Avec les bottes qui se barrent de partout. Ah, mais tu vas arrêter de te barrer, toi. Mais c'est pas vrai. Sale tête botte. Alors, Antonin, tu sais pas mentionner. C'est encore de ma faute, maintenant. Non, je sais pas si c'était toi. Non, ne le prends pas mal, je te rassure. Non, t'inquiète. Non, je sais pas si c'est toi ou pas. Ou si c'est Fabien. Mais en tout cas, voilà quoi. Il y a des oublis de partout. Alors, c'est peut-être Fabien comme il faisait l'abruti. Enfin, l'abruti, comme il faisait le fifou. C'est peut-être à cause de lui. Je sais pas. C'est vraiment à cause de lui. Tu es sûr? Wouh! Oh là 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 là! Oh, vous avez vu la remarque? Vous avez vu la remarque comme la volée? Wouh! Alors là, on a quelques bottes à ramasser quand même. On en a pas. Elle peut ramasser 48 bottes en même temps. Oui, 48 bottes elle peut ramasser. C'est hein, pas mal. Elle fait le double de l'autre. L'autre elle fait 24. Ça elle fait 48. Ça va, 48 bottes quand même. Il faut les faire quoi. Hein. Voilà. Donc j'avais dit qu'à partir du 20e épisode, je changerai de map. Alors, je sais pas si ça va tenir toujours parce que je voudrais y jouer sur une autre map. Alors. Vous verrez vous-même, hein, parce que peut-être je peux changer de map à partir de la 15e ou à partir de la 20e, c'est moi qui déciderai. Donc, alors je ne vous dis pas, parce que je voudrais en fait, je vous avais dit qu'autrefois je jouerais sur une autre map à partir de la 20e. Ça sera sûr, mais peut-être ce sera la 15e. Donc, ou à partir de la 15e, à partir du 15e ou du 20e épisode de la carrière suivie. Changerai de map. Alors après, je sais pas. C'est suivant mon avis parce que voilà, des fois, j'ai pas oublié. Alors la remarque qui vole de partout. La remarque elle fait des vols planés. Dès que je tourne, la remarque elle fait des vols planés. C'est zarbi quoi. Je fais quoi après? Tu vas cultiver le champ. Tu vas me le cultiver. Tu sais, avec le cultivateur. Ouais. Ah, il a pas pris. Par contre, est-ce que tu as un tracteur dispo? Je peux prendre l'élection. Mais si l'actro, tu prends un autre. Hein. Ouais, ok. Tu vas après. Alors, je dois reculer parce que j'ai oublié une botte. On voit ça. Si tu veux, il reste une ligne à presser. Je t'appresse, non? Ouais, presse là, ouais. Oui, presse là, comme ça, après, tu pourras prendre notre tracteur. Alors je croyais que le Texas venait de régler les freins, mais on dirait qu'ils sont un peu capricieux ces freins encore, hein. Je sais pas s'il a vraiment réglé ou pas. Alors je lui demanderai, hein, à notre cher Texas 22. Alors maintenant, dorénavant... Alors aussi, je voudrais... J'ai commandé une camionnette pour moi. Faite par ce très cher Texas 22. Alors, je lui ai commandé une camionnette, alors je sais pas quand est-ce que je recevrai dans quelques temps, je pense, hein, j'espère. Voilà, donc, je lui ai commandé une camionnette à mon image. Wow! Vous avez vu? Je pense qu'on va rattraper Antonin, oui, c'est le cas. Oui, je vais plus vite, je vais à 60 km/h, mais c'est pas grave. On dirait que la nuit arrive. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah merde, je croyais que je te gênais. Oh, si tu peux mentionner les oublis, parce que je crois qu'il y a quelques oublis.
Moi j'en ai ramassé. Alors j'ai modifié une presse, vous savez, une presse pour voilà, pour atteler la moissonneuse comme j'avais fait il y a quelques temps avec Fabien, quand j'étais avec Fabien, mais c'était pas l'épisode, c'était pas le dernier épisode, c'était l'avant-dernier épisode. Je sais plus. Et du coup j'ai modifié, bon par contre la presse elle est blanche. Pourquoi? Je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi elle est blanche. C'est zarbi. Et du coup, alors je la testerai hors vidéo. Alors j'ai testé, apparemment j'ai pas testé pour moissonner, donc on attendra que je vais attendre de moissonner pour moissonner un chat. On verra bien. Voilà, donc on va replier ça. Et moi j'ai fini ce que j'avais à faire. Alors maintenant, ah oui, tu as très bien regardé là, nickel. Alors voilà, là c'était l'autre, hein. C'est l'autre véhicule, l'autre camionnette avec le petit autostack. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, attendez, d'abord on va acheter un petit camion et je vais vous montrer pourquoi. Et d'abord, on va aller voir. Alors voilà, c'est une petite, la Jeep est compris dans le pack, dans le méga pack de Galax aussi, toujours. Voilà. Tic tic tic, on attaque touche. Alors on va voir ce qu'a fait Antonin s'il fait pas de conneries. Jamais. Non non, jamais. Non. Je crois. Non là c'est quand même. Ça c'est sadique quand même. Je suis sadique là. Après moi quand je vide. Au moins Antonin, quand je me rapproche avec la remorque pour vider mon sénat, je vais au moins récupérer la bus comme. Comme pas dans la vidéo, comme pendant les chroniques du fermier, comme on faisait l'autre fois. Attendez. Bon, je vais laisser faire un tournée. Moi, je vais attendre juste. Je vais juste laisser le véhicule comme ça pendant 5 minutes. Hein. Je vais aller dans l'ouvrier. Donc je vais sommeiller, mais je vais couper le micro parce que j'ai quelques problèmes de voix. Donc je vais aller chercher un truc et je reviens. Allez, à tout de suite les amis, excusez-moi. À ton nom, tu peux parler dans la vidéo, hein. Tu peux commenter à ma place, d'accord? Ouais, t'inquiète. Ok, je compte sur toi. Commente. Ouais, comme si c'était moi en fait. Alors voici les amis, alors excusez-moi pour cette grosse absence. T'es allé chercher tes chips? Ouais. T'es pas allé chercher tes chips? Non, non, je vais configurer mon volant. Ça va commenter parce que j'avais pas le micro sur moi. J'ai pas les... Hein? T'as commenté pendant le truc ou pas? Non, parce qu'il y a mon père qui est venu me demander pour je sais pas quoi. Pour son handicap, comme qu'à lâcher de terre. C'est bien 5 minutes, je pense. Mais tu feras une petite coupure. Alors, excusez-moi, ouais.
Par contre, est-ce que tu as cultivé? Je commence là. Mais t'as fait quel tracteur? Non, j'ai pris de l'action. Ah, j'ai rangé le Yut. Alors, ce camion, il fait partie aussi du méga pack de Galax. Alors, regardez, regarde-moi cette tête. On se croirait dans Euro Truck Simulator 2 ou Scania Truck Driving. Alors là, en fait, dans les trois jeux, on a que des Scania quoi, c'est Zerbi. Désolé, mais en fait mon volant il voulait pas marcher. Donc du coup j'ai débranché 4 ou 5 fois et je voulais pas parler pour pas. En fait j'avais coupé le micro pour pas que vous entendiez le bordel. Tu rigoles là ou quoi? Tu te fous de moi ou quoi? Je vais t'apprendre les bonnes manières moi. Petit coquin, petit vicieux. Allez, puisqu'il se fout de moi, on va aller narguer Antonin. Si tu veux, je peux mettre un ouvrier. Hein. Non, tu restes dedans, tu travailles. Wouh! Ouais, et après on dit que je bosse pas. Hein. C'est bon, j'ai compris. Allez. Je peux repartir. C'est quoi ce truc là? Au boulot, feignasse. Non mais si tu veux, allez, si tu peux retourner. Attends, je vais dire. Il ne faut pas dedans quand même. La grosse. Il serait capable de me fausser dedans? C'est pas moi qui paye les carrosseries. Hein. Par contre, tu cultives vachement là. Tu cultives pas? Là si, je le repasserai après. Du coup, ça fait combien de temps de vidéo? Ça fait combien de temps, tu sais pas? Ça doit faire 25 minutes à peu près. Ouais. Ça a commencé, c'était un peu plus de la nuit. Ça fait pas 25 minutes alors? Ah si, remarque. Oui. Bon, mais on va s'arrêter dans 2-3 minutes et puis c'est tout. Avec la belle remorque. Dans le prochain épisode, on aura un nouveau véhicule. Hein. Alors, je vous dis pas ce que c'est. Alors, j'espère qu'on sera 3 parce qu'à 2, c'est un peu. C'est pas que c'est ennuyant. C'est déjà mieux que tout seul, mais je voudrais bien être 3 pour une fois, quoi. Voilà. Ah, j'avais pas vu que j'avais des remorques en fait. Et là, je passerai pas. Enfin, si je vais tenter de passer, alors, hey, ne me chambrerai pas parce que j'arrive pas à passer. Hein. Ah putain! Un foiré de truc. T'es où là? À la ferme, je suis en train de foutre le bordel sur les remorques. Attends, je vais venir te voir. Non. Surtout pas. Non, tu bosses là. Alors, excuse-moi pour cette interruption, j'espère que la prochaine fois. Oui, parce que voilà, je voulais. Mais tu te fous de qui là, celui-là? Je te prends des bonnes manières, moi aussi. Hein? C'est pas grave, on arrive pas à la télé. Encore, mais c'est pas grave. recule. Non, mais en fait, j'ai pas vu la télé en fait. Voilà, j'étais à un mot, j'étais niqué. C'est qui arrive à me doubler? Ah, mais non, mais en fait, tu freines, hein. C'est ballot. Allez,
on va s'arrêter là. Alors je vais voir Antonin qui bosse. Alors, je veux que tu bosses un peu s'il te plaît. Oui, klaxon, allez, vas-y, pour rigoler. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cet épisode. Numéro. Tu te souviens c'est quel épisode au fait? Le numéro 11, le numéro 12, non? Oui, voilà, c'est le numéro 12. Alors j'espère que vous avez aimé. Hein. Alors pardon pour l'absence que j'ai faite. Hein. Ça, pardon. Hein. Franchement, excusez-moi. Et j'espère que je pourrai rattraper mon coup. Allez. En voulant dépasser Antonin, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde. Salut. Je me suis pris le mur. C'était magnifique. Allez, au revoir. Salut tout le monde. Aïe, aïe, aïe. Et Antonin aussi. Mais comment on a fait ça? C'est pas possible. Et le klaxon qui bug. Mais c'est pas grave. Allez. Ça sera réparé la prochaine fois. Petit vicieux, dis donc.